Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Radio Infinitum. On s'est arrêté ici la fois dernière. Là, c'est bloqué, donc on ne peut pas y aller. Et on va essayer peut-être de contourner vers un endroit pour essayer de faire le tour de l'église, hein, j'imagine. Ouais, voilà. Trouver un moyen de faire le tour de l'église. C'est bien ce qui me semblait. Donc on va fouiller et on avance, tout simplement. Alors pour la première heure de jeu qu'on a eue. Ça va, on n'a pas eu trop de difficultés, on a avancé petit à petit. Oh, commence pas toi. Hein. On n'a pas eu trop flippé pour l'instant, mais je pense que là, durant cette partie, ça va faire un petit peu mal. Hein. On va avancer. Et on va voir. Là, déjà, c'est un peu brumeux, ça ne sonne pas bon signe. Donc, on va avancer tout doucement et explorer. Et voir ce qu'on peut faire. Là, on va éviter de faire du bruit avec ces trucs-là parce que. Parce qu'à mon avis, ça va faire du bruit beaucoup, beaucoup. Hein. Et on avance. Bon, là, à mon avis, ça va s'écrouler. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Tout doucement. Tranquillou, tranquillou. J'aime bien les petits jeux comme ça, indé, un petit peu horrifique. Dans ce style-là, on en a fait pas mal hein, depuis le début. Enfin, depuis le début. Depuis quelque temps maintenant. Hein. On a fait Insomnies, on a fait. Oh là, waouh. C'est quoi ça? C'est quoi cette bestiole? On dirait des indigos. C'est des Wendigo là, de comment ils s'appellent? De Intendant ou quoi là? Putain, là il faudrait aller doucement, il faudra pas faire trop de bruit. Donc oui, on a fait pas mal de jeux horrifiques dans le style là. Insomnies, Evil Inside, Do Not Open. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Guilt récemment. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans ce style-là? Un peu. Assez, pas des jeux qui sont pas très longs. Voilà quoi, il y a de bons petits jeux. On fouille quand même les documents. Parce que bon, je lis en travers. Hein, pour s'il n'y a pas l'audio, je lis quand même. Hein. Mais bon, je vous laisse faire pause. Allez. On va pas faire trop de bruit là. J'ai pas beaucoup parlé durant la première partie de l'aventure. Mais là, je pense que ça va devenir de plus en plus sérieux. C'était une espèce d'initiation le début de l'aventure. Hein. Alors, c'est pas un jeu qui est très long. Hein. D'après ce que j'ai vu, ça dure entre 4-5 heures de jeu. Donc, on verra. On verra à la vitesse où on avance. Si c'est le cas ou pas. Désolé du bruit. Faire trop de bruit. Bon là ça va encore s'écrouler j'imagine. J'ai pas le choix. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Ok, pas de cœur. On va se baisser. On va passer par là. Pour l'instant.
là 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 là. Ah mais en fait, il y en a trois. Il y en a trois, j'ai cru qu'il y en avait que deux. Oh là là, mais là, je vais casser la poutre, ça va me courir dessus, là. Bon, allez. On va faire tout doucement. Allez. Bon. Allez, cours, 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 cours. Vite, 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 vite. Ouf. J'avais raison. Grand Dieu, il y avait des civils dans l'église. J'ai essayé de raconter ce que j'ai vu à notre nouveau lieutenant, mais il n'a rien voulu savoir. Il a même ri. Il m'a dit d'arrêter d'agir comme un pleurnichard devant les hommes, et que le commandement suprême sait ce qu'il fait. Mais je l'avais prévenu pour l'église. Je ne le reconnais plus. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je vais essayer de parler au docteur. Il y a peut-être des survivants. Allez, tout doucement. Oh là là. Oh là 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 là. Tout doux. Ah, il y en a encore là. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Tout doux. Ils sont dégueulasses en plus. On va se baisser. Tout doux. Allez, go. Ok. On a atteint le premier truc.
Mais je pense que c'est pas fini. Il y a une statue là, mais je sais pas à quoi elle sert. Ça doit être la mer celle-là là. La mer de je sais pas quoi là. Ah voilà. La Sainte Mère, je sais pas quoi là. Ok. Bon, on continue. On va voir ce qui nous attend derrière. Oh là. Oh là, ça va être zone, encore une zone chelou là. Ok, il y a un truc pour faire du bruit là-bas. Je pense pas que c'est de ce côté-là qu'il faudra aller. Faut aller par... Oh putain, il y en a là-bas au fond. Ouais, en fait, je crois que je devrais... Ouais, il faut que j'alerte les petites bébêtes là-bas pour que je fasse tout le tour. Parce qu'eux, ils vont pas sauter par le pont, je pense. Ils vont faire tout le tour par le truc. Et moi, je vais faire le tour dans l'autre sens, en fait. Ok. Bon, on va y le faire. Allez, go. On tourne. Bah, les bruits viennent pas. Ah oui, ça y est. Ça va, il saute pas par là. Moi, ce que je vais faire, c'est aller par là. Allez, 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 allez. Ils vont être alertés par le bruit. Voilà, ils vont aller là-bas. Moi, je fais tout le tour par là. Et je me faufile de l'autre côté. Voilà, tranquille. Ouais, c'est encore là-bas. Et moi, je peux aller tranquillou par là. Voilà, ni vu ni connu. Tout en allant doucement, évidemment. Allez. Allez, par où je peux pas casser, voilà. Boum. Voilà. Ouf. Bon. Jusqu'à là, ça va. Allez. Ok, maintenant... Oh là, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Poursuivons. L'église s'appelle Notre-Dame. Les anciens ont dû refuser de quitter leur village et ont cherché refuge auprès de la Sainte Vierge. Où était-elle? Et que nous fera-t-elle quand elle découvrira ce que nous avons fait? Et nous, quel destin nous attend? Le front dévore tout et tout le monde, et nous avons fait de la terre un enfer. Seul le diable entend nos prières. Dis donc, quelle horreur cette bestiole. Hein. Elle fait peur. Hein. Vous avez vu la gueule qu'elle a, le truc? Eh ben. Bon. On avance. On est de retour dans les tranchées, là. Bon. Ok. On va aller voir ce qui nous attend. J'espère qu'il n'y aura pas des petites sales bestioles dans les tranchées, parce que sinon. Ça va être galère, là. On avance tout doucement. J'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Cette aventure.
Ah bon, ça c'est juste les indications. Ok. Tranchée abri, d'accord. D'accord, ça c'est pour se faufiler, on sait jamais si il y a des ennemis. Ok, c'est du cache-cache, très bien. On avance. Il a même pas de poils aux couilles. Attention, il faudrait pas qu'il se salisse les bottes. On est de retour dans notre petite cellule qu'on a commencé au début de l'aventure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette zone? Je lui ai parlé. Hein, mais dernière entrée. Je ne sais pas s'il a vraiment. Faut faire gaffe parce qu'il y a des bestioles à côté là-bas au fond. Hein. Alors, corne morse. Code morse. Oh, encore ces trucs là, ouais. D'accord. Très bien. On va faire gaffe hein, parce que j'ai l'impression que l'autre il en a entendu. Alors, code d'ordre d'attaque, machin. Ah oui, c'est là le code. Alors, qu'est-ce que ça peut être le code?
Ok. Le code Morse, c'est le 37. C'est censé être notre nouveau lieutenant, ça. Quelqu'un devrait lui passer l'envie de sourire. Après 2 semaines passées dans les tranchées, il rigolera plus. Je parie qu'il ira bientôt retrouver sa maman. Probablement dans un cercueil. Doucement, les gars. Laissez-lui au moins une chance.
On avance, hein. Tout doucement, les amis. On va descendre en bas, voir ce qu'il y a, mais je pense pas que c'est la bonne direction. Hein. On va juste fouiller ce qu'il y a en bas, et après on retournera de l'autre côté. On avance. Là, pour l'instant, j'ai rien à dire, on fait qu'explorer, les amis. Là, on a beaucoup de zones où il y a des tranchées, des ruelles, des machins. On fouille, on explore, et on avance, et on récupère certains badges, certaines plaques, plutôt, laissées par les soldats. Et bon. Allez, continuons. Je ne parle pas beaucoup, moi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On fait qu'avancer et explorer, hein. Il n'y a pas un truc de ouf, quoi. Ils doivent être à court de vrais hommes. Tout est miniature de nos jours. Lieutenant, plutôt un petit prince qui joue à se déguiser. Ils se foutent vraiment de nous, les hauts gradés. À nous envoyer une lavette comme ça. Putain. À l'école, on savait les traiter, les femmelettes comme lui. De la noblesse dans les tranchées. Les Riley pouvons être contents. Il nous reste du lait en conserve. Il faut qu'il devienne un grand garçon pour faire plaisir à papa. Compagnie, garde à vous! 27 hommes présents et parés, Air Lieutenant! Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je peux influencer notre nouveau lieutenant et la chaîne de commandement? Est-ce qu'ils pensent que je pourrais arrêter la guerre à moi tout seul? C'est douloureux à dire. Mais la seule chose que nous avons en commun, c'est notre maudit nom. Comme si cette horrible guerre ne suffisait pas. Voilà que la malédiction de mon nom m'a suivi de chez nous jusqu'au front. Tout le monde la ressent. Elle glisse le long des tranchées comme un prédateur. Notre nouveau lieutenant est le seul à ne pas la remarquer. Thank you.
ok. Drôle de bunker, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai entendu ton bruit, hein, mais bon. J'espère que c'est pas un truc qui va me sauter dans la gueule. Je le sens pas du tout. Y'a quoi? Ah, putain, ta race, là! Poulo! Putain, j'ai cru que c'était un monstre. Mais t'es pas bien, toi! Près de l'avion. Ça le fout! Oui, oui. Mes yeux. Je n'y vois plus rien. Mais ils ne peuvent plus me tromper. Ils nous mentent. Rien de tout ça n'est vrai. Rien! Le commandement suprême de l'armée. Il faut qu'on en informe le commandement suprême. Il faut que le Kaiser sache ce qui se passe ici. La guerre n'est pas terminée. L'ennemi est là. Il faut que l'on remporte cette guerre, tu m'entends? Pour la patrie et pour nous-mêmes. N'écoute pas les traîtres et les déserteurs. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose. N'importe quoi. Pour calmer la douleur. Il y a du matériel médical au nord. S'il te plaît. Je... Mes yeux... Mon Dieu... Mes yeux...
Ce garçon ira loin. Père l'a toujours dit. C'était son dernier souhait. Ton père n'est plus là. Il a bâti cette maison pour lui-même. Personne d'autre. À Lichtenfelde en plus. Tout ça pour pouvoir envoyer Johannes à l'académie militaire. Et maintenant, Paul a son tour. Jamais servi qu'à produire des héritiers et des soldats. L'académie aurait fait du bien à Johannes. Tu as vu ce que ton maternage a produit? Rien que du déshonneur. Bon, je pense que c'est là, hein, les morphines. On a bien avancé, hein, depuis tout à l'heure. Enfin, on a bien parcouru pour trouver la morphine. Ok, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on prend le paquet ou quoi? Ouais, c'est marqué dessus, morphine. Ok. Oh, oh, oh! Oh non! Prends le truc, non? Oh, c'est là. D'accord, merci! Super, oh là! Oh là là! Oh putain, la sale gueule! Oh, quelle horrible! Ça va, toi? Laisse-moi tranquille! Je me barre! Foutez-moi la paix! Au revoir! Allez, cours! Cours, c'est pas le moment! J'ai pas envie qu'elle m'attrape! Yo! Vas-y, cours! Je cours par là, je sais pas pourquoi, mais je cours. Allez, vite. Casse, vite. Allez! Elle me poursuit toujours ou pas? Je sais pas, j'avance, je m'en fous. Putain, on dirait qu'elle... Comment on dit les cochons, là? C'est quoi leur bruit, déjà, les cochons, là, quand ils parlent? Enfin, quand ils font leur bruit, ah! Je dis avance. Avance. Yep, hop. Ouh! Ouh, putain! Je ne tolère pas cette arrogance sous mon toit! Il n'y a rien à faire ici. C'est encore ton père! Allez, casse! Je n'arrive pas à avoir ta propre opinion! Oh non! C'est pas fini! Allez, aïe! Ah, pop! Pas par là! Par où? Par ici! Je ne te laisserai pas. Cours, il a envie de me bouffer. T'as un bruit chelou, laisse-moi tranquille. On passe par en dessous, on n'a pas besoin de casser. Aïe, mais j'ai entendu qu'il a cassé la plaque. Allez, avance. Je sais pas où j'avance, mais j'avance. Je vais aller par là, on sait jamais. Ah là, par ici. Et hop là. C'est quoi ça? Désespoir, un poème, nanana... D'accord, je m'en fous. Allez, vas-y. Casse la porte. Allez, où? Aïe. J'avance, hein, je cours, je m'en fous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je m'en fous, je lis pas. Je l'entends plus, c'est normal? Est-ce que je peux passer par en dessous? Non, je crois pas. Vas-y, casse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? D'accord, ok. Bon, ça me poursuit plus. Donc peut-être c'est bon signe. Ok. On va caler là. Casser ça. Très bien. On avance.
Bon, là, à mon avis, il faudra avancer dans plusieurs, dans ces plusieurs zones-là, peut-être pour activer quelque chose. Attendez. Ah non, là, c'est rouge. Il faut que j'allume le truc pour que ça soit vert. Vert, ça veut dire que c'est bon. Ok, là, c'est la bonne combinaison. Alors, on va aller de l'autre côté. Je crois qu'il faut... Hop, hop, hop. Il revient par là. On va attendre qu'il se barre. Ou qu'elle se barre, puisque c'est une femme. Bon, pour l'instant, ça reste activé. Il faut que ça soit vert, en fait. Il faut que j'allume les... Comment on appelle ça, déjà? C'est pas un tourne-disque, ça, si? Je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Et il faut qu'on les active en sorte que ça soit allumé en vert, je pense. Et en vert, ça veut dire que c'est bon. Alors, il y en a un là. C'est vert, donc c'est bon. Normalement, il y en a un autre de l'autre côté, mais à mon avis, c'est pas le bon. Il doit être rouge. Donc là, c'est bon. Bon, allez où, la bestiole? On va attendre parce qu'elle est en face là-bas au fond, je la vois. Allez, 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 allez. Allez, barre-toi là-bas. Voilà, avance. Ça la rend sourde. Je pense que ça la sourdit un petit peu là, le son de la musique. Allez, avance, 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 avance. Là, il y en a une. Allez, tourne. Ça doit être vert. Donc, normalement... Attendez. On va aller en haut, voir si c'est bon. Ça doit être rouge. Hein. Ouais, c'est rouge. C'est pas bon. C'est bien le vert de ce qu'il y a en bas. Vous voyez, on n'entend plus la musique, là. C'est un son de... Donc, à mon avis, ça l'attire. Il faut vraiment que j'active celui-là. Voilà, là c'est vert, là il y a la musique. Maintenant il faudra retourner là où on était. Allez, cours, 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 cours. Pour activer le bouton. Et à mon avis, ça va l'assommer, je crois. Allez, vas-y. Ça marche ou pas? Ah, elle a stoppé. C'est bon. On l'a eu. Allez, arrache-moi ça. Aïe. Nickel. Cher Paul, j'ai appris que tu es à l'académie militaire, tout près d'ici. Comment ça se passe? Ils t'apprennent à te tenir avec fierté? Tu pourras bientôt regarder tout le monde de haut, comme notre cher père.
Mais il y a des choses qu'il n'a jamais vues de là-haut. Aucun mot ne peut décrire les horreurs que nous voyons ici tous les jours. Écris-moi, s'il te plaît. Elle était à moi. Désormais, elle t'appartient. Tiens-toi droit, Paul. Ton père est un infirme. Il a coûté la vie à ta grand-mère quand il est né. Et il est toujours infirme, car il ne peut pas se tenir droit. Il ne sait même pas monter à cheval. Ton frère est un déséquilibré. Il a le sang de ta maudite mère. C'est toi qui vas devoir me succéder. L'Académie militaire fera de toi un homme honorable. Malgré tes parents, leur souffrance sans fin, leur douleur et leur lâcheté sont dans ton sang. Tu dois t'en débarrasser. Tu es le seul qui mérite le nom de Von Schmidt. Et ma dague, c'est ton devoir. Tu comprends. Tu ne l'as jamais mérité, fils. Moi,
grand général des forces allemandes, m'adresse par la présente au peuple Herero. Les Herero ne sont désormais plus des sujets allemands. Tout Herero trouvé sur le territoire allemand, qu'il soit armé ou non, avec bétail ou non, sera abattu sur le champ. Je n'épargnerai plus femmes et enfants. Ils seront repoussés vers les leurs ou seront également abattus. Ceci est ma déclaration pour le peuple Herero. Lothar von Schmidt, grand général du puissant Kaiser allemand. Windhoek, 1er octobre 1904. Tu nous aurais vus. On ne faisait qu'un avec nos chevaux. Une vraie force de frappe. Nous étions aux portes de Paris. Aux portes de Paris. Tout ça aurait pu être à nous. Tout. Nous sommes des dieux, mais le feu, le Weltenbrand, la mort. Des dieux, notre. Notre mort. J'ai trop longtemps laissé la couardise me paralyser. Mais je sais désormais ce que je dois faire. Ma main doit rester ferme. Et je dois rester concentré sur ma cible. Comme le jour où j'ai tué la gazelle. 15 juillet 1917. Mon fils a été promu au grade d'officier. Père aurait été fier de lui, mais je ne sais pas si je le suis. Magdalena m'a imploré. Alors j'ai utilisé mes relations au commandement suprême pour que Johannes puisse veiller sur lui. Quelle ineptie! Johannes, le poltron de la famille. Ai-je été infecté par son hystérie féminine? Quoi qu'il en soit, nous nous porterons tous mieux une fois la victoire acquise. Et j'y participerai. Décembre 1916. Magdalena et moi ne nous parlons presque plus. Est-ce dû au vif argent? Non. C'est tout Berlin qui est tombé dans le silence. Tout le monde souffre de la faim. Au moins, cela m'offre le calme dont j'ai besoin pour poursuivre mes tests sur les animaux. Je contribue à la victoire en mettant au point un agent pouvant pénétrer les masques de nos ennemis. Octobre 1917. Tout est fini. C'est la fin.
13 octobre 1917. J'ai ordonné à nos usines d'arrêter immédiatement la production d'armes et de munitions. Gobert refuse d'obéir. Il dit que ce serait de la trahison. Toi, c'est pas juste, t'es plus âgé. Et plus fort. Et arrête de me chatouiller. Tu vas me le payer. Rédemption entre tes mains. La clé de tout. Omega, entre le rouge et le bleu. Bon les amis, on va s'arrêter à là pour cette partie de Ad Infinitum. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouvera pour la suite de notre aventure. On ira faire cette petite expérience un petit peu chimique. Voilà, à la prochaine. Ciao, bye bye.